Dans un rapport apparu ce mercredi 16 octobre, le FMI conforte le Premier ministre Ousmane Sonko. Le personnel du FMI se félicite du rapport de l'IGE sur les finances publiques et de l'engagement du gouvernement en faveur d'une gouvernance solide et de la transparence budgétaire. Les conclusions préliminaires indiquent des révisions substantielles des données d'exécution budgétaire pour la période de 2019-2023. Ces révisions sont principalement attribuables à des investissements financés par des emprunts extérieurs et des prêts contractés auprès des banques locales. En conséquence, le déficit budgétaire et de la dette publique pour cette période sont désormais estimés significativement plus élevés que les chiffres précédemment rapportés dans les lois de finances et de règlement. Durant le processus de certification des conclusions de l'IGE par la Cour des comptes, le personnel du FMI continuera à travailler en étroite collaboration avec les autorités dans les semaines à venir pour évaluer l'impact macroéconomique et définir les prochaines étapes, notamment l'évaluation d'éventuelles erreurs de déclaration dans les programmes passés et en cours soutenus par le FMI.